Tout d'abord, bienvenue à ce conseil municipal. Encore une nouvelle version du conseil municipal aujourd'hui que je préside. Et vous voyez que c'est une version visio. Nous ne l'avions pas encore testée. Nous avions fait des conseils municipaux allégés avec la moitié des effectifs, mais pas en visio. Et donc, je salue tous les élus qui se sont adaptés, l'ensemble des techniciens qui ont préparé finalement cette visio et qui chapeaute finalement cette retransmission. Je salue le public parce qu'on est en live Facebook, comme vous pouvez voir sur le haut de votre écran. Et je vous remercie, je dirais, de vous être adapté. Quelques consignes vous ont été envoyées pour permettre finalement que la visio se passe dans les meilleures conditions afin de respecter notre devoir démocratique et aussi de respecter les paroles de chacun. Et donc, sous ma présidence, je gérerai les interventions de l'une ou l'autre personne du conseil municipal. Je ne sais pas si la presse est là, mais sinon je la remercie d'être présente. Et nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal en visioconférence par l'éphéméride. Et vous verrez, c'est aussi une nouvelle version de l'éphéméride. Ce sera une vidéo qui vous sera présentée sur votre écran. Alors, si on a des petits problèmes techniques, excusez-nous, mais je pense que ça devrait bien se dérouler. Et on va laisser dérouler cette éphéméride par vidéo. Voilà, je laisse lancer cette vidéo. Voilà, merci au service communication qui a réalisé cet éphéméride. Et vous voyez que cet agenda est bien chargé. Déjà, cet éphéméride est bien chargé avec le Covid et toutes les activités qui viennent en amont et qui s'adaptent. Et c'est à l'image de la dernière diapo
avec cette rétromécanique que vous retrouvez finalement en rétrospective dans le parc et encore pendant 2 semaines et demie. Donc, je vous invite à aller voir dans le parc. Voilà, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal avec l'ouverture de la séance et la lecture de la feuille de présence par notre Benjamin Romain Wacquet, qui est ici présent, et je lui demande d'ouvrir son micro et à chaque personne qui sera citée, d'ouvrir son micro pour dire présent. Voilà, et de refermer son micro juste après. Rodrigue Desmet. Présent. Antonio da Silva. Présent. Chantal Nice. Présente. Thibaut Tellier. Annick Castelin. Présente. Michel Pétillon. Michel, il faut mettre ton micro. Voilà, présent. Anne Thorez. Présente. Franck Gilmet. Présent. Claudine Zam. Elle est présente. Présente. Tu arrives à mettre ton micro, Claudine. Bon, lève la main, sinon, Claudine, je te vois. Voilà, elle est présente. Rosemary Bûcher. Présente. Dany Delbecq. Présent. Thérèse-Marie Couvreur donne procuration à Dany Delbecq. Dominique Acou. Présente. Claudie Rius. Présente. Thierry Micnard. Présent. Olivier Donte. Présent. Simon Beaumont. Présent. Edwige Cardenia. Présente. Xavier Duquesne. Présent. Virginie Lamblin. Virginie Lamblin. Mustapha Guirou. Présent. Fernando Rocha. Présent. Peggy Robert. Présente. Alexandra Cousty. Présente. Alice Kinen donne procuration à Alexandra Cousty. Émilie Livet. Présente. Julien Marien. Présent. Jean Motuel. Présent. Romain Wacquet est présent. Sylvie Blotio. Elle essaie de se connecter pour l'instant. D'accord. Peggy Abdupré donne procuration à Sylvie Blotio. Éric Zajda. Présent. Mathieu Leclerc. Merci. Excusez-moi, je viens à peine de pouvoir me connecter. C'est Virginie Lamblin. C'est bon. Eh bien, beaucoup de présente, Madame. Merci, Virginie. Bonjour. Bonjour. Veuillez m'excuser du retard. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu dire leur présence? Monsieur Tellier, il est présent? Présent. Voilà. Merci. Et Madame Lotio essaie toujours de se connecter, je pense, Monsieur Zajda. Donc voilà, bon, on verra quand elle arrive. Voilà, merci Monsieur Wacquet pour cette feuille de présence. Et nous allons pouvoir passer au point numéro 1. C'est tout d'abord l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 14 décembre 2020. Et celui, il a été transmis le 19 février 2021. Et celui du 1er février 2021 qui a été transmis aux élus par messagerie le 30 mars 2021. Y a-t-il des commentaires sur ces procès-verbaux? N'hésitez pas à lever la main s'il le faut ou à lever la main sur l'écran directement. Pas de questions? Donc je porte au vote pour les deux procès-verbaux. Qui est pour? Vous pouvez lever la main. Vous levez la main, voilà. Je considère que les deux procès-verbaux sont votés à l'unanimité. Voilà. Pas de remarques? Je vous en remercie. Nous allons commencer les points à l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, concernant le tableau des effectifs, nous avons pu consulter ce tableau des effectifs lors de la séance plénière. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'observation sur les différentes créations de postes. Juste quelques remarques, j'irai par rapport aux agents et sur le fait d'être contractuel et de passer titulaire. Vous avez eu tous les détails de ces créations de postes. Vous retrouvez dedans la création d'un poste de policier municipal et différentes régularisations sur des créations ou des ajustements sur cette feuille des effectifs qui nous permet d'être à jour lors du conseil municipal.
Y a-t-il des remarques sur ce tableau des effectifs? Non. Je regarde s'il y a personne. Personne lève la main. Donc, je porte aux voix le tableau des effectifs pour ce conseil municipal. Qui est pour? Qui est... Alors, je vois qu'ensemble pourront que tout le monde est pour. Et qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Zajda s'abstient, c'est ça? Donc, je considère que l'équipe Front contre banc s'abstient. D'accord. Donc, l'équipe Ensemble pour Ronc est pour et l'équipe Ronc contre Mans s'abstient. C'est bon? Je vous en remercie. Point numéro 2 concernant toujours le personnel municipal et toujours une délibération qui revient à chaque conseil concernant la levée de pression quadriennale d'une créance de la CNRACL et d'une créance du FONPEL. Alors, ces deux délibérations, c'est tout d'abord pour un agent du service public et l'autre délibération, c'est pour un élu. Donc, il est demandé aujourd'hui, donc on a dépassé le délai des 4 ans, donc on a obligation de lever la prescription quadriennale par le biais d'une délibération lors de ce conseil. Pour verser la somme de la CNRACL de 1077,62 €, et pour le FONPEL, la somme de 6042,14. Donc, en fin de compte, pour réexpliquer, parce que je sais qu'il y a eu des interrogations la fois dernière, on a deux cas de figure. Hein. On a un agent et un élu. Et la collectivité se doit de payer finalement le dû de la cotisation patronale. Et donc, sur ces deux plans, agent et élu, nous payons la cotisation patronale si nous votons aujourd'hui lors de ce conseil municipal. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. On va voir le plein écran, voilà. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, nous allons faire le vote pour. Voilà. Alors, je vois tout le monde. Donc, je pense que c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Et le point suivant, c'est une régularisation toujours pour le personnel municipal. Alors, nous allons vous afficher un petit historique. Hein. On va refaire un retour en arrière, en 1938, l'histoire, où il y a eu la création de l'emploi de secrétaire de mairie. Alors, je n'ai pas son nom. Peut-être que Michel Pichon pourrait nous éclairer là-dessus. Notre doyen était jeune peut-être, mais en 1984, la loi de numéro 84-53 du 26 janvier 81, créant le statut de fonction publique territoriale, dès l'apparition de la loi, la création d'un emploi de directeur général des services. Or, depuis cette loi, nous n'avons pas mis lors d'une délibération la création de cet emploi. La préfecture nous a fait une demande de produire la délibération créant l'emploi fonctionnel de DGS suite au renouvellement de son détachement. Et donc, on vous demande finalement de bien inscrire cet emploi de DGS au sein de la ville de Ronc et de son conseil municipal. Y a-t-il des questions? Donc, on va pouvoir régulariser. Ça réconforte mon DGS. C'est très bien et ça permet à tout le monde, j'irais, de pouvoir passer et mais finalement de revenir en histoire. Je pense que Madame Bûcher est très contente de revoir ses archives ressortir et qu'on en parle. Donc, je porte aux voix cette délibération. Qui est pour? Je pense que c'est l'unanimité et je vous en remercie. Alors, je vais laisser Franck Gilmé. J'essaie de voir où il est. Si. Il y a un très beau fond d'écran, hein, M. Gilmé, parler de trois délibérations, dont une délibération où je devrais laisser le vote à mon premier adjoint, M. Da Silva. Mais pour l'instant, faisons les points 1.04 et 1.05. M. Gilmé, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Alors, tout d'abord, nous allons parler du premier point, qui est la fixation des taux d'imposition communaux. Alors, lors du conseil municipal du 1er janvier 2021, nous avons voté le maintien du taux communal, mais une circulaire est apparue entre deux le 17 mars 2021 et a actionné, entre guillemets, hein, si je peux dire comme ça, la refonte de la fiscalité locale. C'est-à-dire que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d'habitation,
Pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l'année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, concernant le département du Nord, le taux pour l'année 2020 s'élevait à 19,29%. Il convient de préciser que ce transfert de taux n'a aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglée par le contribuable local. C'est vraiment très, très important de dire que ça ne change rien ce qu'on va voter aujourd'hui par rapport à ce qui avait été voté précédemment. Donc, par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, il convient de voter un taux de taxe foncière de référence sur les propriétés bâties correspondant à l'addition du taux 2020 de la commune, soit 31,02%, et du taux du département, soit 19,29%. Ainsi, ça nous donne un taux pour 2021 de 50,31%. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas impacté par la réforme de la fiscalité de directe locale et reste à 52,39%. Donc, faut savoir que ça s'intègre dans la réforme de la taxe d'habitation. Bien entendu, à ces taux va venir s'additionner ce qu'on appelle une compensation pour que nous n'ayons aucune perte par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. La ville de Roncq sera compensée à hauteur de 968 537 euros par l'effet du coefficient correcteur. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est l'abrogation de la délibération qui avait été votée précédemment et l'application pour l'année 2021 des taux suivants aux impôts directs locaux, c'est-à-dire 50,31% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 52,39% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Gilmay. Vous voyez, ça ne change rien. C'est un peu la raison que vous avez pu voir dans la presse ce matin que beaucoup de villes avaient été on avait demandé aux beaucoup de villes de passer avant le 15, c'est pour ça qu'on a avancé ce conseil municipal et je remercie les services et monsieur Gilmay d'avoir préparé ça pour être en conformité et pouvoir répondre aux attentes de la préfecture. Monsieur Zajda, je pense que vous aviez une question, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, c'était simplement pour reprendre les propos, mais vous venez de les dire, c'est-à-dire que toutes les communes étaient en train de le faire jusqu'à ce soir. Donc, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on a la chance de se voir pendant ces vacances aussi anticipées. Alors, je porte aux voix cette délibération 104 sur les taux communaux de taxes foncières. Qui est pour ? Je considère qu'il y a l'unanimité. C'est d'accord ? Monsieur Gilmay, je vous laisse la parole pour le point 105 concernant le compte de gestion de l'exercice 2020. Ce sera le compte administratif, monsieur le maire. Merci à vous. Je vais vous présenter le... Excusez-moi de vous interrompre. On a une demande de passer le compte de gestion d'abord. Ça vous dérange ou pas ? Je ferai le commentaire après du compte administratif. D'accord, parce que c'est une demande de la préfecture qu'on a reçue juste là. Donc, c'est ça. Hein. Donc, est-ce que ça vous dérange, M. Gilmay, de passer le compte de gestion en premier ? Non. Sur le compte de gestion, comme on dit toujours, et en fait, je ne vais pas vous faire les commentaires puisque je vais vous les faire sur le compte administratif après, d'accord. Ce qui vous permettra de comprendre l'ensemble du détail. Simplement, sur le tableau qui vous est présenté, vous voyez les sections d'investissement et les sections de fonctionnement qui sont représentées. Alors, je suis en train de prendre mes documents, hein, je ne vais pas vous le cacher. Sur la section d'investissement, on voit que le montant des recettes va s'établir à hauteur de 6 350 988 €. Vous avez les dépenses en contrepartie à hauteur de 2 991 077,42 €. Là, donc, nous sommes sur la section d'investissement sur ce qu'on va appeler l'excédent pur. Je vous expliquerai après par la suite qu'on reprend aussi le déficit ou l'excédent de l'année précédente, ainsi de suite. Et sur la deuxième colonne, vous êtes sur le fonctionnement, vraiment sur la différence des recettes et des produits du fonctionnement. Donc, tout d'abord, des recettes à hauteur de 17 932 848 €. Et au niveau des dépenses,
Nous sommes à 15 698 339 euros, ce qui nous donne un résultat de fonctionnement opérations d'ordre inclus, c'est-à-dire les opérations ce qu'on appelle qui ne génèrent pas de trésorerie, à hauteur de 2 234 000 euros. L'addition des deux, vous le voyez sur la troisième colonne, nous donne 5 594 000 euros 420. Voilà pour le compte de gestion. Merci, M. Gilmet, de vous être adapté. Je sais que je vous ai prévenu du premier, mais je vois que vous êtes bien organisé, donc vous avez pu répondre. M. Zajda, je vois que vous levez la main, donc je vais vous laisser la parole. Je vous remercie. Donc, simplement pour remercier l'ensemble des services de m'avoir communiqué le compte de gestion dans le détail, chose que je n'avais pas forcément les années précédentes. Donc, c'était un document très intéressant. Donc, je réitère mon remerciement. Et pour préciser que comme c'est un état de l'ensemble des comptes, il n'y a aucune raison pour nous de voter contre ou de s'abstenir. Donc, nous voterons pour. Je vous remercie de ces remerciements qui iront tout droit, je dirais, au service et à M. Gilmet, parce que je sais qu'on est sur une certaine transparence et c'est aussi la volonté hein, avec la ville de transmettre tous les documents. Vous savez que depuis le début de ce mandat, même avant, nous répondions, je dirais, à toutes vos sollicitations par rapport aux questions sur les conditions, ce qui nous permet de présenter des comptes qui sont équilibrés et qui présentent, j'irais, convenablement la situation financière de notre ville. Et donc, je vous remercie. Et je salue surtout l'ensemble des services qui font en sorte qu'on puisse transmettre tous ces documents et y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Je vais porter… Il n'y a pas d'autres questions ? Non, je ne vois pas. Je vais porter aux voix concernant le compte de gestion de l'exercice 2020. Qui est pour ? Donc, je considère l'unanimité. Je vous en remercie. Eh bien, on va passer au compte administratif. Donc, je peux gérer les débats, mais pas faire de commentaires. Donc, je laisserai pour le vote la main à M. Da Silva, mon premier adjoint. M. Gilmet, vous pouvez y aller. Très bien, merci, M. le maire. Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, là, on va regarder le compte administratif et je vais vous donner du contenu complémentaire dans l'explication des chiffres que vous avez pu voir. Alors, tout d'abord, le compte administratif, c'est un compte qui va retracer les mandats, c'est-à-dire les dépenses, et les titres, c'est-à-dire les recettes émises par la commune sur l'exercice budgétaire 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2020. Alors, le budget de la commune, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, est composé de deux sections. La section de fonctionnement, que nous verrons dans une première partie, dans laquelle on va retrouver les dépenses et les recettes rattachées à la gestion courante de la ville. Et ensuite, on verra la section d'investissement, où on va retrouver les dépenses de travaux et d'encaissement de subventions de partenaires. Et enfin, on fera un zoom sur une troisième partie, qui est la structure de l'endettement de la ville de Roucq. Alors, préalablement, avant de rentrer vraiment dans le détail, ce que vous allez voir, c'est un graphe qui est la rétrospective qui porte des années 2016 à 2020. Donc, vous avez le premier tableau où on met en avant, comme d'habitude, la capacité d'autofinancement. Donc, vous avez plusieurs niveaux de capacité d'autofinancement. Alors, ce tableau met en avant surtout notre capacité à financer nos investissements. Vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on dégage de notre fonctionnement qui va nous servir à financer une partie de notre investissement, ce qui nous demande une rigueur toujours certaine pour pouvoir dégager un autofinancement suffisant. Si on regarde la colonne de droite, vous voyez que nous dégageons en termes de capacité d'autofinancement disponible 2 327 000,53 euros, c'est-à-dire c'est un autofinancement disponible qui est hors opération d'ordre, des opérations qui ne génèrent pas de trésorerie et remboursement du capital déduit. On peut le voir aussi sur le graphe suivant, où on voit sur chaque année, on voit les produits et les charges réelles de fonctionnement. Vous avez les colonnes bleues et vertes qui sont nettes des opérations d'ordre,
qui ont été exécutés. Et on voit que la différence, ça nous permet tout d'abord d'avoir une capacité d'autofinancement brute de 2 854 000 en 2020. Vous regardez les autres années, on reste, comment dire, très linéaire dans notre capacité à générer des moyens pour nos investissements futurs. Ensuite, vous avez le deuxième graphe qui est exactement, qui reprend un peu la logique du premier graphe. On retrouve dans cette colonne bleue les 2 854 000 euros de 2020, hein, qui est notre capacité d'autofinancement brut, sur laquelle on va venir retirer 526 000 euros. C'est le remboursement de l'emprunt, en fait, ce qu'on appelle du capital de l'emprunt, qu'on doit toujours déduire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit sur des emprunts qui durent encore, qui ont à peu près une durée de 3 ans. Donc, ça nous permet de déduire la capacité d'autofinancement net qui est à 2 328 000 euros. Donc, voilà sur cette première vue d'ensemble. Alors, sur le slide suivant qui va vous être présenté, on va voir le détail du budget de fonctionnement qui est, entre guillemets, c'est la première partie. Vous voyez, vous allez retrouver, comment dire, au niveau des dépenses, vous les voyez par année. On voit qu'en termes de dépenses, on a 4 grandes catégories. Tout d'abord, les charges à caractère général, c'est ce qu'on appelle les achats de matériel, entretien, réparation, qui représentent 26% en 2020. Vous avez ensuite les charges de personnel, qui est la part la plus importante, qui représente 46% en 2020. Les charges de gestion courante, c'est tout ce qui est subvention, hein, je vous les détaillerai après, les participations, certaines indemnités, elles représentent 11%. Et enfin, vous avez les autres charges qui représentent 16%. Vous voyez déjà qu'elles sont un peu plus importantes que 2019, mais dans ces 16%, on va retrouver ce qu'on appelle, et ça, je vais vous en parler assez souvent lors de mes commentaires, les opérations d'ordre, c'est-à-dire les opérations qui ne génèrent pas de trésorerie. Dedans, vous retrouvez les amortissements. Puisque quand vous faites un investissement, l'État vous permet d'étaler la charge sur plusieurs exercices, mais aussi vous allez trouver des écritures qui correspondent à la cession de rue de Lille. Donc, ensuite, on va vous présenter le taux de réalisation globale, c'est-à-dire ça concerne les dépenses réelles, on les compare à la prévision budgétaire. Alors, le taux est à peu près de 94% des crédits budgétés en 2020, soit plus ou moins 13,2 millions d'euros. Maintenant, si on rajoute ces fameuses opérations d'ordre, on est à peu près à la hauteur de 96%, hein, puisque ces opérations d'ordre représentent en termes de dépenses 2 460 000 euros. Ensuite, vous voyez, donc dans le tableau, vous voyez les taux de réalisation par catégorie, 87,87% sur les charges à caractère général, 99% sur les charges de personnel, 97% sur les charges de gestion courante et enfin les charges réelles financières, 81%. Le tableau qui est en bas est un tableau qui est très intéressant, que j'aime bien présenter. On va le retrouver aussi bien au niveau des dépenses que des recettes. C'est le tableau qui retranscrit en fait la valeur par habitant roncois au niveau de la dépense. Donc, on voit qu'on a 978 euros au niveau du total. Si on regarde le département qui a 956 euros et la région qui a 996 euros, on se situe à peu près entre deux et on est inférieur au niveau national. Et on peut déjà constater qu'il y a une ligne qui est différente du département, de la région et du niveau national, qui est la charge réelle financière, où là, on est très bas, puisqu'aujourd'hui, on a, depuis plusieurs mandats, pratiqué le désendettement, c'est-à-dire qu'on a réduit notre emprunt, donc réduit nos charges financières qui sont liées à l'emprunt. Donc là, on a vu les choses de façon assez globale, en les comparant sur plusieurs années. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des charges de l'année 2020. Donc, la première partie des charges 2020, comme je vous l'ai dit, ce sont les charges à caractère général. Elles ont chuté de plus ou moins 734 000 euros à 4 092 000 euros, soit une baisse de 15% par rapport à l'année 2019. Alors, c'est très simple, hein. Cette chute importante s'explique tout particulièrement au regard du contexte sanitaire vécu dès le mois de mars 2020, avec notamment la suppression, alors, par exemple, des activités culturelles et sportives, ainsi que de nombreuses manifestations. Vous avez les expositions, la rétro-mécanique, le 14 juillet, les fêtes de Noël. Si je peux vous donner quelques exemples sur des postes qui ont pu baisser, vous avez déjà les achats de prestations de services qui ont baissé de 24%.
Exemple, on a eu dedans chez la fermeture des accueils de loisirs. Vous avez les contrats de prestation de services qui ont baissé de 46%. Donc là, ça va concerner par exemple les classes vertes, les sorties de bus. Les frais de fête et de cérémonie, bon, bah, la rétromécanique, le 14 juillet, là, on est à peu près à une baisse de 54%. Mais il ne faut pas oublier que toutes les charges n'ont pas baissé, puisqu'en contrepartie, dans cet item de charges à caractère général, on a eu des charges qui ont augmenté. Les autres matières et fournitures qui ont augmenté de 141%, ce qui représente 76 000 euros. Cette augmentation, bah, en fait, elle va s'expliquer par l'achat de fournitures dans le cadre du Covid. Donc, c'est tout ce qui a été la partie masque de protection pour adultes et enfants, pour les personnels exposés, kit visière, gel hydroalcoolique. Enfin, je peux vous donner des blouses, pas mal d'exemples. Par rapport à ça, la ville, faut noter aussi que la ville, par rapport à l'achat de masques, a eu un remboursement de l'État à hauteur de 15 000 euros qui venait minorer ses dépenses. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour les charges à caractère général. Alors, la deuxième grande partie des charges, vous avez les charges de personnel. Comme on l'a vu tout à l'heure, elles représentent plus ou moins 46% des dépenses totales de fonctionnement. Elles sont en augmentation de plus ou moins 111 000 euros, ce qui représente 1,55%. Et ça s'établit à 7 295 000 euros en 2020. Alors, si je vous détaille un peu, en termes d'effectifs, nous passons de 197 agents fin 2019 à 209 agents fin 2020. La ville de Roncq, donc au 31 décembre 2020, compte 144 agents titulaires. Le nombre d'agents titulaires est identique à 2019, c'est-à-dire que le solde entre les départs de personnel et recrutement de nouveaux agents est à zéro. La différence, on va la trouver au niveau du nombre d'agents contractuels qui a augmenté de 12 agents, soit 65 agents contractuels. Dedans, quand on parle contractuel, on parle aussi bien d'apprentis, de CDI, de contrats à durée déterminée. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est remplacement d'agents absents pour maladie ou placés en isolement. Hein, c'était pendant la pandémie. Recrutement de deux jobs étudiants pour renforcer le personnel de la source, recrutement d'un apprenti supplémentaire, recrutement de deux nouveaux professeurs de musique et recrutement d'agents pour renforcer les services. Et puis, bien entendu, dans toute charge du personnel, vous avez toujours les revalorisations classiques de régime indemnitaire, plus quelque chose qui est assez technique, c'est glissement vieillesse technicité. Voilà pour les charges du personnel. Donc, nous avons vu les charges à caractère général, les charges de personnel. Maintenant, les autres charges de gestion courante, elles chutent de plus ou moins 118 000 euros, soit 6,2% en moins. Ces charges représentent 11% des dépenses totales de fonctionnement. Alors, dedans, c'est 1 781 000 euros en 2020. On va retrouver la subvention qui est à la SIC-Calaïdes à hauteur de 700 000 euros. On va retrouver aussi le subventionnement aux associations, le montant est très légèrement en augmentation à 215 000 euros. Alors, je rappelle toujours, quand on dit c'est le montant des subventions qui sont versées, mais il faut voir beaucoup plus large. En fait, sur l'année 2020, on chiffre, alors c'est sûr que c'est inférieur aux autres années puisque les locaux ont été moins occupés, ainsi de suite, par les associations. Mais les avantages en nature, on les chiffre à plus ou moins 552 000 euros. Quand je dis avantages en nature, on parle de prêts de salles, de matériel divers, de nettoyage des sites, hein, puisqu'on a quand même continué pendant toute la période de Covid à nettoyer les salles, à maintenir les outils qu'on mettait à disposition des associations pour pouvoir, et on l'espère très rapidement, les remettre à disposition dès qu'on le pourra dans le contexte sanitaire. Dans les subventions, vous avez d'autres subventions, la subvention au CCAS, la subvention allouée en 2020 est de 200 000 euros contre 274 000 en 2019. Alors, un petit rappel, la participation municipale fluctue en fonction des excédents de fonctionnement dégagés par le budget du CCAS au terme de chaque exercice budgétaire. Ainsi, la ville ajuste en conséquence sa participation. Enfin, vous avez aussi la participation aux écoles privées à hauteur de 494 000 euros.
Et en termes d'autres charges, vous avez les indemnités des élus qui sont de 158 000 euros en 2020 pour 213 000 euros en 2019. Voilà pour tout ce qui concerne les charges de gestion courante, qui était la troisième partie. Et enfin, la dernière partie, qui sont les autres charges. Dedans, on va retrouver les intérêts de la dette qui continuent à chuter de moins 19% suite à l'extinction progressive de la dette principale. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on réduit nos emprunts qui avaient été contractés précédemment. Donc, la ville n'a pas souscrit de nouvel emprunt durant toute la durée de la mandature 2014 à 2020, ça je vous le rappelle, et les intérêts remboursés en 2020 s'élèvent à plus ou moins 41 000 euros contre 54 000 euros sur l'année précédente. Enfin, vous avez les charges exceptionnelles qui sont anecdotiques si je ne prends pas en compte dedans les opérations d'ordre telles que l'amortissement et la cession de la redille. Voilà pour l'explication des charges que j'ai abordées sur les quatre parties. Une dernière vue des charges, je pense que ça doit être un slide suivant parce que je ne vois pas les slides avancer. Voilà, c'est une vue par fonction. Donc, vous voyez que les services généraux représentent 27,30%, l'enseignement formation 21,50%, les opérations non ventilables 16%, sport et jeunesse 10,5%, ainsi de suite. Je vous laisse lire ce qui vous est présenté. Je vais apporter simplement une petite précision. Quand on dit opérations non ventilables, c'est par exemple les commissions sur encaissement pour les cartes bancaires. Là, c'est très compliqué de ventiler ces choses. Les remboursements en famille, c'est toutes ces choses-là que vous allez retrouver dans la partie non ventilable. Voilà pour cette première partie du budget de fonctionnement qu'on a abordé, c'est-à-dire ce sont les dépenses. Maintenant, bien sûr, dans un budget de fonctionnement, vous avez en contrepartie les recettes. Donc, comme vu précédemment, sur les recettes de fonctionnement, vous avez une première vision de 2016 à 2020. On peut voir que sur l'exercice 2020, les ressources fiscales représentent 71% de nos recettes de fonctionnement, suivies des dotations et participations à hauteur de 14%. On va retrouver 4%, c'est les ventes et autres produits courants non financiers. Et enfin, 10%, c'est ce que je vais appeler l'exceptionnel pour résumer. Je vais vous faire la même remarque que sur les charges. Vous avez de l'exceptionnel qui est un peu plus important que 2019, mais ça, on retrouve toujours les opérations d'ordre et c'est la cession de la rue de Lille qui impacte. Donc, voilà pour ce premier graphique. Après, toujours dans le même principe, le tableau que j'affectionne, c'est-à-dire les recettes par habitant roncois. Donc, on voit que la ville de Roncq, on est à 1190 euros, ce qui s'inscrit à peu près par rapport au département à la région à 1153 euros et 1195 euros. Et on est légèrement en dessous du niveau national à 1274 euros, ce qui permet toujours d'avoir, vous voyez, un petit point de repère. Et vous avez le détail après par les rubriques fiscales, dotations et ainsi de suite, que je vous laisse lire. En termes de taux de réalisation, alors, les recettes s'élèvent à plus ou moins 17,9 millions d'euros et on est sur un taux global de réalisation qui est à hauteur de 113%, opérations d'ordre inclus. Maintenant, si on neutralise ces opérations d'ordre, vous voyez qu'on est de l'ordre d'à peu près 100% de réalisation, un taux de réalisation toujours par rapport au budget, 101% pour les ressources fiscales, quasiment 100% pour les dotations et participations et 99% pour les produits des autres services et de gestion courant. Donc là, nous venons de parcourir les recettes de fonctionnement d'un point de vue global. Maintenant, je vais rentrer dans le détail et je vais vous donner de l'information. Tout d'abord, les recettes. La première partie des recettes, c'est les impôts et taxes. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit précédemment, c'est 71% des recettes de fonctionnement. Ça progresse légèrement de 0,8%. Et ça représente 12 731 000 euros. Dans les impôts et taxes, on va distinguer tout d'abord la fiscalité. Alors, on a la fiscalité locale qui représente 48% de nos recettes réelles de fonctionnement. Dedans, vous allez, donc c'est à peu près 7 600 000 euros. Vous allez retrouver dans cette fiscalité locale
Donc, dans les 48%, 21% qui sont liés, entre guillemets, à la taxe d'habitation à hauteur de 3 331 millions d'euros, et la taxe foncière qui représente donc 27%, hein, puisqu'on avait 21% et ça fait 48%, à hauteur de 4 263 000 euros. Donc voilà déjà pour les impôts et taxes et la partie des recettes fiscales. Mais dans les impôts et taxes, on a aussi les autres impôts et taxes. Donc là, on va passer sur le slide suivant. Vous voyez un tableau. La première ligne, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et les lignes suivantes, c'est tout d'abord c'est des recettes complémentaires. Alors, je ne vais pas lire le tableau à 100%, mais par exemple, vous avez des attributions de compensation, des EPCI. Donc ça, on touche 3 326 000 euros et on voit que c'est linéaire sur ces dernières années. On va retrouver aussi, si on regarde ce qui est en bas, c'est les droits de mutation hein, qui sont liés aux ventes immobilières sur Ronc. On est à 791 000 euros en 2020, qui reste relativement élevé. Et puis entre deux, vous allez avoir des taxes communales sur l'électricité, des taxes locales de publicité. Là, je vous laisse lire les différents chiffres. Ce qui est le plus impactant, c'est quand même l'attribution de compensation qui est à hauteur de 3 326 000 euros. Là, on vient de faire le tour des impôts et taxes qui représentent 71% des recettes de fonctionnement de la ville de Roncq pour l'exercice 2020. Je vais vous apporter quelques informations complémentaires. Alors, tout d'abord, les pénalités dues en application de la loi CRU pèsent peu en 2020. Celle-ci s'élève à 6 700 euros, ce qui est très peu, puisque, en effet, la subvention d'équipement qui avait été versée en 2017 au bailleur social Notre Logis, soit 80 000 euros, a permis de réduire la pénalité calculée au titre de 2020. Ça, c'est une première information. Après, une deuxième information. Sur la ville de Roncq, au 1er janvier 2020, on compte 5 595 résidences principales, 1047 logements locatifs sociaux, soit 18,71%. Et en référence par rapport aux 25%, ça serait 1398 logements. Voilà pour cette partie. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de nos recettes de fonctionnement, la part des dotations et participations. Donc, ce poste baisse de plus ou moins 287 000 euros en 2020 à 2 451 000 euros. Alors, je vais vous expliquer cette baisse. Cette baisse, elle s'explique tout d'abord par la chute de la participation de la CAF. Et là, je vais faire référence à des délibérations qu'on a votées précédemment qui concernent la mise en place, la fin du dispositif contrat enfant jeunesse et la mise en place de la convention territoriale globale. Donc, ça veut dire que la subvention de la CAF, qui était de 522 000 euros en 2019, elle passe à 311 000 euros en 2020. On avait déjà eu l'occasion de l'expliquer lors d'une délibération précédente. Et c'est aussi dû à la perte de la dotation solidarité urbaine sur l'exercice 2020 qui s'éteint pour la ville de Roncq. Alors, maintenant, si on fait un zoom sur les dotations de la ville de Roncq, on a une grosse partie, c'est la dotation globale de fonctionnement et surtout la dotation forfaitaire. Vous voyez qu'elle est à hauteur de 1 457 000 sur le graphe qui vous est présenté pour l'année 2020. Cette dotation, il faut savoir, bon, elle reste à peu près linéaire sur ces quelques dernières années, mais je rappelle toujours quand même que sur le mandat précédent, on a perdu plus de 4,5 millions par rapport à cette dotation globale de fonctionnement. Vient s'additionner aussi, on ne le voit pas là, mais le chiffre reste constant à 114 000 euros, la dotation nationale de péréquation. Voilà, on a vu la partie fiscale, on a vu les dotations et subventions. La troisième partie maintenant que nous allons voir, c'est le produit des services. Alors, il représente à peine 3,8% de nos recettes en gestion courante, soit plus ou moins 606 000 euros. Sur l'exercice 2020, vous allez comprendre pourquoi il y a ce net repli de 39,3% par rapport à 2019. Ben, c'est en lien avec la pandémie, et c'est-à-dire qu'on a eu des actions municipales qui n'ont pas géré de produits de services. Donc, je parle de la restauration, des centres de loisirs, des activités périscolaires, des activités musicales. Voilà les exemples. Donc, le tableau que vous voyez qui vous est présenté, ça retrace l'évolution des principales recettes sur les 5 dernières années et montre l'impact de la crise sanitaire qu'on voit au niveau de 2020, puisque
on est sur un montant total, vous voyez sur le tableau, sur ce qui est sommet du tableau, hein, bien sûr, à 306 000 euros, ce qui est nettement inférieur par rapport aux recettes précédentes. Là, on a parcouru vraiment la partie la plus importante des recettes de fonctionnement. Il reste toujours les autres produits de gestion qui représentent à peine 0,7%. Et les produits exceptionnels qui sont composés exclusivement d'opérations d'ordre à hauteur d'1 710 000 euros, c'est ce que je vous ai expliqué, des opérations qui ne génèrent pas de mouvement de trésorerie, mais qui sont liées à la section, à la cession de l'actif qui est rue de Lille. Voilà pour les recettes. Donc, nous avons vu les dépenses et les recettes. Et maintenant, si on met tout ça en forme dans le dernier tableau qui vous est présenté, voilà. Qui est la finalité même de mes explications. Vous avez les recettes totales qui sont à hauteur de 17 932 849 €, sur lequel vous allez venir soustraire les dépenses qui s'élèvent à 15 698 339 €, ce qui nous donne un résultat budgétaire de 2 234 510 €. Si je ne me trompe pas, ça fait le lien avec les comptes de gestion qu'on a vu tout à l'heure. On vient additionner les 400 000 € qu'on avait laissé sur le fonctionnement par rapport à l'affectation du résultat de 2019, ce qui nous fait un excédent disponible à affecter de 2 634 510 €. Un très bel excédent que l'on pourra décider d'affecter lors d'un conseil municipal ultérieur. Donc voilà pour l'excédent qu'on a généré au niveau de notre budget de fonctionnement. Donc comme je vous ai dit, la commune s'est composée d'un budget de fonctionnement. Vous voyez déjà que là, on peut déduire que le budget de fonctionnement a été maîtrisé puisque nous sommes en capacité de pouvoir avoir un excédent qui sera affecté et qui nous servira à financer nos investissements futurs à hauteur de 2 634 000 €. Bah, pour faire le lien, maintenant, on va regarder le budget d'investissement. Donc, dans le budget d'investissement, vous voyez le graphe, c'est toujours le même principe. On vous présente sur les 5 dernières années. Vous voyez l'évolution des dépenses d'investissement et on ramène toujours aussi le remboursement de l'emprunt, donc du capital de l'emprunt, qui s'élève à 526 000 euros. Et on voit que l'investissement qui a été opéré est à peu près à hauteur, si je cumule les années, de plus ou moins 21 millions d'euros. Et sur l'année 2020, il est de 2 100 000 euros, 113, sur l'année 2020. Le taux de réalisation est à hauteur de 62%. Là, il y a deux raisons qui sont très simples. La première raison, qui est un peu l'un des fils conducteurs qui, sur lequel, comment dire, qui intègre beaucoup de nos explications, bah, c'est la crise sanitaire. On a eu des entreprises qui étaient partiellement fermées, donc c'est sûr que certaines parties d'investissement qu'on n'a pas pu réaliser. Mais c'est également aussi dû, et ça on ne va pas se le cacher, à l'élection d'une nouvelle assemblée délibérante en 2020, qui est installée en juin. Et on sait toujours que dans les années électorales, l'investissement est toujours moindre. Donc vous avez un investissement de 2 100 000, ça c'est la première dépense, sur lequel vous venez rajouter 526 000 euros, ce qui correspond au remboursement de l'emprunt. Dessus, il faut venir reprendre. Nous avions clôturé l'exercice 2019 avec un déficit d'investissement à hauteur de 2 216 000 euros, qui s'expliquait très facilement à ce déficit, puisque quand on reprend les comptes, à l'époque, on avait des restes à réaliser, notamment en produits, qui étaient assez importants, puisque nous n'avions pas constaté la cession de la rue de Lille. Donc, si je prends les 2 100 000 d'investissement, 526 000 euros d'emprunt, les 2 216 000 du déficit de l'année précédente, plus quelques opérations d'ordre, on arrive à des dépenses totales d'investissement à hauteur de 5 200 000. Le slide suivant, on retrouve toujours le même tableau, qui est la dépense en euros par habitant. Donc, vous voyez la dépense en termes d'équipement. Alors, nous sommes inférieurs au département, à la région et au niveau national. Et en termes de remboursement lié aux emprunts, nous sommes aussi très nettement inférieurs, hein, plus de 50% inférieurs, puisqu'aujourd'hui, et ça, je vous le verrai à la fin de mon explication, nous avons très peu d'emprunts et un niveau d'emprunt par habitant qui est très bas.
En termes de taux de réalisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il réapparaît sur le graphe, on est à hauteur de 62%. Avant de vous énumérer l'ensemble des investissements qui ont été faits, il nous reste encore un dernier graphe qui est toujours avec l'emprunt et c'est un peu le fil conducteur aussi. Vous voyez qu'on a commencé l'exercice avec un capital qu'on devait rembourser à hauteur de 2 394 000 euros. Comme on a remboursé une échéance de 526 000 euros, nous clôturons l'exercice 2020 avec un capital restant dû d'1 868 000 euros. Et je vous confirmerai ça par la suite, qui est un montant qui est très bas pour la ville de Roncq, puisque nous sommes toujours partis sur une politique de désendettement et nous continuons aujourd'hui pour avoir les bases solides qui nous permettront d'aborder les prochains investissements. Alors, si on parcourt un peu les investissements qui ont pu être faits, alors vous avez le slide qui apparaît. Je vais essayer d'être un peu synchro avec le slide, mais je vais essayer de ressortir certaines choses. Vous avez les travaux et honoraires de la source à hauteur de 240 000 euros. Nous avons des travaux d'accessibilité à peu près à 160 000 euros. La rénovation, alors tout ce qui est enfouissement des réseaux, 162 000 euros. Les radars pédagogiques à hauteur de 24 000 euros. Quelques autres exemples sur le slide suivant. L'équipement des cimetières, vous avez 27 000 euros qui ont été investis. Les travaux d'éclairage public à hauteur de 186 000 euros. Encore des investissements assez importants au niveau de l'école Marie Curie et l'école Jacques Brel de 280 000 euros. La nouvelle aire de jeu, au parc Ventenquist de 203 000 euros et du matériel informatique divers à hauteur de 133 000 euros. Voici quelques exemples des investissements qu'on a pu faire qui retracent ce que je vous ai expliqué précédemment. Après avoir vu les dépenses en termes d'investissement, maintenant voyons les recettes, puisque comme toute chose, il faut qu'on puisse financer nos dépenses d'investissement avec des recettes complémentaires à l'autofinancement qu'on génère depuis quelques années. Donc là, vous avez toujours une vue qui va de 2016 à 2020. On voit qu'en termes de recettes, vous avez deux recettes principales qui vous sont présentées. Tout d'abord, les dotations et fonds globalisés à hauteur d'1 094 000 euros. En fait, vous retrouvez dedans le fonds de compensation de TVA à hauteur de 1 035 000 euros. Et les 381 000 euros, ce sont les subventions d'investissement reçues. Alors, par exemple, sur le nouvel équipement culturel de la source, on a reçu 220 000 euros sur l'exercice 2020. Mais je vous rappelle qu'au total, on a reçu plus d'1 million, mais c'était étalé sur plusieurs exercices. On a eu aussi la participation de la CAF pour l'école Kergomar à hauteur de 55 000 euros. Le fonds concours de l'AMEL pour la vidéoprotection, par exemple, à hauteur de plus ou moins 35 000 euros. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer. Donc, les subventions, 381 000 euros. Les dotations et fonds globalisés, 1 094 000 euros. Dessus, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis toujours, on a fini le fonctionnement, on dégage un autofinancement, ça va servir à financer nos investissements. Mais en 2019, on avait dégagé un autofinancement qui était conséquent, qui était de 2 765 000. On avait décidé de garder 400 000 en fonctionnement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, il nous restait 2 365 000 d'autofinancement qui viennent s'ajouter à nos recettes, qui viennent s'ajouter aux 1 094 000 et aux 381 000 que vous voyez. Ensuite, vous avez certaines opérations d'ordre, c'est toujours pareil, qui viennent se rajouter, plus la cession rue de Lille, qui vient, elle, se rajouter en termes d'investissement au niveau de nos recettes. Et le tout nous amène à des recettes à hauteur de 6 351 000 euros. Voilà pour l'explication des recettes. Je pense que, oui, j'avais vu ce tableau-là, excusez-moi. Donc, maintenant, nous arrivons à la synthèse. Alors, je vous ai expliqué, là, juste maintenant, les recettes totales, elles sont à 6 350 000 euros.
Les dépenses totales, elles sont à 2 991 000 euros, hors le déficit d'investissement que nous avions en 2019, que vous voyez à 2 215 000 euros. Si vous additionnez 2 995 et 2 215, ça fait 5 200 000, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en termes de dépenses. Ce qui nous permet d'avoir un solde positif d'investissement à 1 144 000 euros. Maintenant, il y a des restes à réaliser, il faut toujours les prendre en compte. En termes de dépenses, 894 000 euros. En termes de recettes, 245 000 euros. Ce qui veut dire que quand on se projette, l'excédent de financement net est de 495 000 euros. Donc, nous sommes sur un exercice 2020 avec un excédent de fonctionnement très positif et nous sommes, même en faisant une projection avec les restes réalisés, un budget d'investissement qui est lui-même positif à hauteur de 495 000 euros. Donc là, je vous ai expliqué le budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Maintenant, une chose qui est importante, c'est la troisième partie. Je vais mettre en avant la situation des emprunts de la ville. Donc, vous avez le graphe qui vous est présenté devant vous. Donc, on voit que l'encours de la dette au 31 décembre 2020, donc sur l'année 2020, le capital restant dû de la dette est de 1 860 000 euros, soit une dette par habitant de 138 euros, contre, si on prend la même strate au niveau national, 852 euros par habitant. Vous voyez, ça complète ce que je vous ai expliqué précédemment. On a continué à se désendetter, c'est très bien. Aujourd'hui, on a une dette qui est très faible par habitant roncois, ce qui nous permet de voir l'avenir vraiment avec sérénité dans un contexte qui n'est pas évident et avec beaucoup de choses aujourd'hui dont on ne connaît pas, dont on ne saura pas ce qui se passera demain. Donc moi, je suis très satisfait de cette politique financière du désendettement. Ensuite, donc, par rapport à ça, pour passer des 2 395 000 euros en 2019 à 1 860 000 euros en 2020, ben bien sûr, c'est le remboursement de l'échéance de 567 000 euros, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Ce qui est important, c'est que la ville ne détient aucun emprunt à risque et tous les emprunts sont classés en ce qu'on appelle en 1, zone euro A, donc aucun risque au niveau de nos emprunts. Quand je vous dis nos emprunts, je parle de 6 emprunts, c'est-à-dire 4 à taux fixe et 2 à taux variable. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est sur le slide suivant. Vous voyez, on a des échelles de risque. Ah, je pensais que ça allait apparaître, mais ce n'est pas grave. L'échelle de risque est donc de 1 à, ce qui est à dire c'est 0 risque. Enfin, le dernier slide qui correspond à la situation des emprunts garantis par la ville. Donc, ce tableau que vous voyez intègre également la situation des emprunts consentis par la ville. Le capital restant dû sur l'ensemble de ces emprunts à la date du 31 décembre 2020 est de plus ou moins 641 000 euros répartis en 4 emprunts, 3 à taux fixe et 1 à taux variable. La FTE, Société HLM, Notre Logis, Société HLM, Logiciel. Il n'y a pas de nouveauté sur cette partie-là. On est bien d'accord. Nous venons de faire le tour de notre budget de fonctionnement, de notre excédent de fonctionnement, de notre excédent d'investissement, de notre situation au niveau de nos emprunts, de notre endettement. Donc, on a un exercice 2020 qui est maîtrisé dans un contexte qui est très particulier. Cet exercice nous permet de consolider nos fondations et donc à nouveau de dégager une très belle capacité d'autofinancement sans recourir à l'emprunt. Cela s'inscrit, comme je vous ai dit, pleinement dans notre stratégie financière ambitieuse pour financer nos futurs investissements, comme on vous a déjà expliqué lors du DOB, mais tout cela toujours de façon prudente face aux incertitudes présentes et futures. Donc je tenais à féliciter à dire bravo à Monsieur le maire pour ce très bel exercice et ainsi à tous les conseillers de la majorité pour cette maîtrise de nos charges et de cette capacité à pouvoir générer cet autofinancement et des comptes équilibrés. Merci au directeur général des services, François Verrecken, à ses équipes et dans le cadre de cette présentation, bien entendu, aux services financiers sous la direction de Catherine Serafini, en collaboration notamment avec Tiffany Bernard et toute son équipe. Merci à Marjorie et à Axel
pour la qualité de la présentation. Voilà, monsieur le maire, les commentaires que j'ai pu apporter par rapport au compte administratif. Merci, monsieur Gilmet. Je vais laisser la place à monsieur le premier adjoint, monsieur Da Silva, pour prendre les débats et pour animer ces débats et prendre les votes de tout le monde. Et je vais me retirer de vos débats. Voilà, je vous retrouve après le vote. Merci, monsieur Hubert. Je vous laisse le temps de vous retirer. Donc, il y a monsieur Zajda qui a demandé la parole, je crois, si j'ai bien vu. Monsieur Zajda, je vous donne la parole. Merci, monsieur le premier adjoint. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le compte de gestion, c'est le reflet de ce qui a été fait dans votre politique. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est une représentation comptable. Donc, nous voterons pour cette délibération. J'ai bien noté que vous avez bien souligné la bonne maîtrise du budget. Alors, on remarque quand même que c'est la pratique normale d'une ville, c'est quand même des lignes assez linéaires. Le variable, on l'a vu tout à l'heure, c'est notamment les services des domaines, donc c'est la partie variable qu'on peut retrouver dans un budget. Celui-ci a baissé 392 000 euros. Dans les charges externes, ce qui a fortement évolué aussi, c'est entre guillemets la partie variable, donc qui a baissé de 769 000 euros. Le résultat courant, du coup, est quand même positif. Hein. Il croît de 237 000 euros. La seule petite chose qui vient perturber, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la cession de la rue de Lille qui était en décalage et qui vient fausser un petit peu toutes ces choses-là. Donc voilà, donc c'est quelque chose de linéaire. On retrouve sans grande surprise un résultat bénéficiaire assez satisfaisant qui donnerait envie à beaucoup d'entreprises, notamment avec l'année 2020 qui était assez compliquée. Petite chose peut-être, vraiment un détail sur un budget de 24 millions d'euros, c'est rien du tout, mais connaissant un peu où vous faites très attention à certaines lignes, j'ai retrouvé trois choses qui ont été faites dans les achats, qui sont certes des montants minimes, mais d'une valeur importante pour ce que c'est, et j'aurais voulu avoir des informations parce que je suis persuadé qu'il y avait une bonne raison à ceci, c'est-à-dire c'est des sièges de bureaux. Je vois trois sièges de bureaux qui ont été achetés dans l'année à plus de 1200 euros chacun. Il y en a un qui est même à 1900 euros hors taxe. Et voilà, je suis très étonné d'avoir des montants de prix pour ça, alors que vous êtes plutôt d'une manière à serrer à fond les coûts. Donc, si vous aviez la réponse, ou sinon, on attendra une réponse un peu plus tardivement, parce que c'est vrai, je vous ai un peu pris au dépourvu sur ce point. Donc, comme je vous le dis, nous voterons pour cette délibération, malgré le petit détail, le petit point souligné. Je vous remercie, monsieur l'adjoint, premier adjoint. Oui, monsieur Zajda, merci déjà de vos commentaires très appréciés de notre groupe et de l'ensemble du conseil municipal. Alors, en ce qui concerne ces sièges, je n'ai pas le détail précis, mais je suppose que c'est des sièges adaptés pour des personnes qui ont parfois des difficultés à rester longtemps assis derrière leur bureau. Et nous faisons très attention également à ce genre de détails qui passent des détails, mais parfois ça coûte cher pour adapter au personnel, pour leur bien-être. Et c'est, je crois, important de pouvoir aussi gérer ces problèmes d'aujourd'hui. Vous savez que la maladie du siècle, c'est le mal de dos, et rester assis une journée complète, ce n'est pas toujours évident. Je vous redonne la parole, M. Zalda. Oui, merci. Donc, du coup, on a peut-être eu des subventions aussi sur cette partie-là, puisque quand on a des aides pour personnes avec handicap ou personnes avec des difficultés, on doit certainement avoir récupéré une partie de cet investissement.
Certainement, vous savez que dans les services, on fait très attention et quand on peut trouver des subventionnements pour quel domaine que ce soit, on en profite et on essaye de toujours trouver les bons filons. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Monsieur Gilmet. Oui. Alors, je vais répondre directement à la question sur les sièges. Oui, ce sont des sièges qui ont été prescrits par la médecine du travail. C'est des recommandations qui ont été données. Ils sont ergonomiques. Et bien entendu, derrière ça, on touche des subventions. Donc voilà. Je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation parce que vous donnez les chiffres comme ça, c'est quand même toujours assez… Faut faire, enfin voilà, quand on donne des chiffres, ça peut paraître important, mais c'est peu de choses par rapport parfois à la technicité que les outils peuvent apporter concernant des recommandations de la médecine du travail et du bien-être des salariés par rapport à leur poste de travail. Je trouve ça qui est, je trouve que c'est très important. Monsieur Zajda, je me permets sur une chose, vous dites que c'est satisfaisant, je pense qu'on peut aller un peu plus loin quand même, c'est quand même un très bel autofinancement et je pense qu'on peut aller au-delà du qualificatif satisfaisant, comme vous l'avez dit, c'est une rigueur, c'est une maîtrise des comptes. Si on reprend les baisses et les augmentations de tout ce qui est lié à la crise sanitaire, au final, c'est pas ça qui fait varier nos comptes, notre résultat de fonctionnement, en toute transparence. C'est pas quelque chose qui a, ça impacte, mais c'est pas ça qui génère notre autofinancement. Puisque, comme j'ai pu donner dans certains exemples, même s'il y a des prestations qui ne nous ont pas été facturées, derrière, on a dû engager des frais qui étaient assez élevés pour accompagner cette crise sanitaire. Donc voilà, moi, c'était pour répondre à votre remarque. Et puis, je pense que c'était aussi pour dire qu'on peut aller au-delà du qualificatif de satisfaisant. Et on sera bien content l'année prochaine de pouvoir bénéficier de ce bel autofinancement au niveau de nos investissements. Merci, M. Gilmet. Oui, M. Zajda. Alors, certes, il y a eu des choses d'engagement. Je reprends sur la crise sanitaire. Il y a eu certaines charges qui ont été, on va dire, imprévues en termes de sécurité. Hein, mais enfin, on est quand même loin des 700 000 euros d'économiser au total sur les charges courantes. Mais voilà, mais c'est qu'un détail, une constatation simplement dans le budget. Il n'y a pas de critique en soi sur ce point-là. Très bien. Oui, M. Gilmet. C'est simplement pour apporter la différence entre les deux est largement inférieure à 100 000 euros. Quand vous faites les dépenses et les recettes qui sont liées au Covid, hein, les impacts qui sont liés à la crise sanitaire, c'est nettement inférieur à 100 000 euros. Donc, vous voyez, par rapport à un autofinancement comment dire, qui est sorti du fonctionnement, c'est vraiment infime. Et ça, grâce à une adaptation permanente de nos équipes municipales qui ont cherché, bien sûr, à s'adapter par rapport à la crise sanitaire, mais aussi à trouver des solutions, parfois à moindre coût, qui pouvaient répondre à des nouvelles demandes et exigences, comment dire, toujours, je me répète, hein, liées à cette crise sanitaire. Voilà. Merci, M. Premier adjoint. Monsieur Gilmet, merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Avant de passer au vote, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la préparation de ce compte administratif. Tout d'abord, M. Gilmet, qui vient nous faire une belle présentation. On voit dans ses termes qu'il maîtrise parfaitement les finances municipales et les comptes sont là. Bien sûr aussi, Madame Serafini, la directrice des services financiers, pour qui c'est le dernier compte administratif, car Madame Serafini fait valoir son droit à la retraite. Je lui souhaite une belle et longue retraite. Je remercie bien sûr son équipe qui fait un excellent travail, ainsi que tous les agents qui permettent le bon fonctionnement des services à la population. Merci également et un grand merci à François Berriken, le DGS, qui dirige les services avec une grande efficacité. Donc voilà, c'est ce que je voulais remercier auparavant. Et maintenant, je vais passer
au vote. Donc, qui est pour ? Donc, je pense que c'est l'unanimité. Je vous remercie tous pour ce vote et je demande à ce qu'on fasse rentrer Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, toutes mes félicitations. Le vote du conseil administratif est approuvé à l'unanimité. Bravo et je vous applaudis. Merci. Et je vous laisse la main. Alors, merci Monsieur Da Silva d'avoir pris la main. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'applaudir quand c'est en visio, mais c'est vrai qu'on peut remercier l'ensemble des services. Et je tiens à remercier pour ce conseil administratif, je pense que vous l'avez fait certainement concernant Madame Serafini, hein, qui s'est impliquée dans ce travail avec ses équipes, avec Monsieur Gilmet, mais aussi à remercier les élus qui ont participé, parce qu'on est avec deux mandats finalement, un mandat qui a été débuté par l'ancienne équipe et sur 2020 et la nouvelle équipe ici présente qui a rempli ses missions pour clôturer ce budget 2020. Donc merci à vous, merci à l'ensemble des équipes, merci Monsieur le DGS pour votre investissement avec vos équipes pour permettre que ce budget se passe au mieux. Et encore mes félicitations à Catherine Serafini qui en encore là jusqu'au mois de juillet, hein, on aura encore l'honneur de la féliciter, mais ils font un travail extraordinaire et donc on ne peut que saluer et je remercie cette unanimité pour ce vote sur le compte de gestion. Donc merci à vous, merci Monsieur Gilmet, transmettez mes remerciements à l'ensemble de vos équipes. Voilà, merci, je peux dépasser la parole. Oui, non, je vais passer la parole à Madame Peggy Robert concernant l'école de musique. Madame Robert. Voilà. Voilà, on t'en prie. Bien. Donc, pour l'école de musique, ce soir, nous avons plusieurs niveaux d'information et de délibération qui vous sont proposés. Alors, je regarde par laquelle on commence. Voilà, alors en fait, Monsieur Gilmet et vous-même l'ont rappelé, on a vécu et on vit encore actuellement une année un peu particulière. Alors pour l'école de musique, on parle en année scolaire, mais bon, de fait, elle est impactée doublement, dès le premier confinement. Donc l'école de musique a vu sa tarification actualisée en 2019. Nous avions eu l'occasion de voter cette nouvelle tarification le 23 avril 2019. Depuis, on a vu malheureusement quelques confinements, modifications, couvre-feu, interdiction de se réunir, etc., etc., qui ont eu un impact sur les cours qui ont été donnés par les enseignants de l'école de musique. Alors, bien évidemment, tout a été mis en place à chaque fois que c'était possible pour maintenir les cours en présentiel, notamment pour les enfants. Les cours en présentiel pour les adultes n'existent plus depuis quelques mois maintenant. Pour proposer de la visio, des cours en visio, dès que c'était possible également. Savoir que ça ne l'est pas toujours. Hein, lorsqu'on est affaire à un débutant qui ne sait pas accorder son instrument, impossible de lui faire pratiquer en visio. Tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on vous propose de faire un geste en faveur des inscrits de l'école de musique sur une remise de l'inscription annuelle. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pour notamment les classes que sont le corps d'harmonie, la classe de chant, les percussions et les ensembles vocaux, une remise totale de l'inscription 2020-2021, puisque ces cours n'ont pas pu avoir lieu du tout. Donc les personnes, si vous en êtes d'accord, seront remboursées de leur facturation annuelle. La facturation en fait, se fait de deux manières, en parallèle, hein, je vous informe de ça, de deux manières, soit annuellement, l'inscrit paye pour l'année complète, soit par trimestre. Donc, quel que soit le choix de la personne ou de la famille inscrite,
pour ces classes d'instruments, ce serait un remboursement intégral. Pour les élèves des autres disciplines qui ont eu des cours partiels, des cours en visio, en dents de scie, en fonction de ce que l'on pouvait ou non pratiquer, nous vous proposons de procéder à une remise du troisième trimestre. Donc, pour les personnes qui ont déjà payé à l'année, elles seraient remboursées de ce troisième trimestre. Et pour les personnes qui payent au trimestre, elles ne seraient pas débitées de ce paiement. Ça, c'est la première chose, donc qui concerne les inscriptions annuelles. Ce que nous vous proposons également, c'est pour continuer à accompagner nos élèves dans l'apprentissage et les inciter à tenir leur apprentissage et à continuer à poursuivre dans cette voie, c'est une remise de 10% sur la cotisation de l'année prochaine, sur l'adhésion, enfin, l'inscription de l'année prochaine, qui serait proposée uniquement aux élèves inscrits déjà cette année. Les nouveaux inscrits n'ayant pas été impactés par les événements de cette année ne bénéficieraient pas de cette remise. Il y a une troisième proposition qui est liée à la tarification qui peut sembler anecdotique, mais qui concerne le tarif des badges d'accès dans les bâtiments, puisqu'ils sont, c'est un peu toujours la chasse aux badges, qui l'a pas rendu, qui en a demandé deux parce que la situation familiale fait qu'un seul, c'est pas suffisant pour l'enfant. Toujours est-il que ça représente quand même un budget et des contraintes techniques qui sont réelles. Et donc, nous vous proposons de facturer désormais les pertes ou les doublons de badges à raison de 21,77 €, qui seraient donc intégrés dans la tarification qui est jointe. Tarification qui, pour le reste, ne change pas. Je vous le rappelle, c'est celle de 2019. Nous n'avons pas retravaillé sur cette tarification qui avait été validée en son temps par le conseil d'école de l'école de musique. Le conseil d'école également qui a donné un avis, qui a été sollicité sur ces trois propositions que je viens de vous faire et qui a émis un avis favorable sur ces propositions, donc de remboursement total ou partiel selon les classes d'instruments et de remise pour l'année prochaine. Je ne sais pas si on vote tout de suite, Monsieur le maire, ou si les questions sont ouvertes. Ben, on va d'abord ouvrir les questions pour laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette tarification adaptée par rapport à la crise Covid? Je tiens à dire, notre volonté, c'est bien de s'adapter, d'avoir une continuité et un accompagnement sur l'ensemble de nos prestations et l'école de musique en faisait partie, on a été très sollicité dessus et je pense que c'est un bel accompagnement d'avoir cette continuité pour l'année prochaine avec cette remise qui est dedans. Donc c'est vrai que cette délibération reprend finalement les tarifications d'avant, elle s'adapte par rapport à la crise Covid et elle permet d'accompagner les inscriptions pour l'année prochaine. Y a-t-il des questions? Eh bien, très bien, on va porter aux voix. Qui est pour? Je considère qu'il y a l'unanimité. Voilà, je vous en remercie. Et Madame Robert, je vais vous laisser la parole encore pour l'école de musique sur l'instauration d'un règlement intérieur. Oui, alors ça a été également cette année l'occasion de retravailler sur le règlement intérieur, puisque depuis 2018, depuis la rentrée de 2018, le projet de l'école de pédagogique de l'école de musique évolue dans le sens où, suite à l'impulsion des élus du mandat précédent et qui se poursuit sur ce mandat, il y avait le souhait de proposer des prestations, des enseignements tout au long de l'année, y compris pendant les vacances scolaires, de différentes manières, pas uniquement en cours classique, j'entends. Donc, ces accompagnements pour nos élèves inscrits, mais aussi
dans la découverte de personnes qui ne seraient pas inscrites, adultes ou enfants, se mettent en place, se sont très bien mis en place, d'ailleurs depuis quelques deux ans maintenant, lors des vacances scolaires, lors de stages, d'approfondissement, de découverte, également dans les écoles, puisque nos musiciens intervenants vont régulièrement dans nos écoles publiques et privées pour faire découvrir la culture musicale. Et voilà, tout ça, ça a été un peu la première impulsion. Et donc là, maintenant que les choses entrent dans une certaine, comment je vais dire, dynamique, donc la dynamique est impulsée, il était temps de retravailler sur le règlement intérieur. Donc c'est ce qui a été proposé également au conseil municipal de février. Donc nous avons complètement retoiletté le règlement intérieur. Je vais vous faire grâce de sa lecture parce que ça reste un règlement intérieur dont vous avez eu le document écrit, qui en soi n'est pas... Enfin voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On a retravaillé sur les modalités d'inscription, d'admission, les absences, l'intérêt surtout de la continuité pédagogique et de l'importance de venir régulièrement, de travailler entre les cours. Enfin voilà, ça c'est un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage que nous avons sur lequel nous avons appuyé davantage. Pour insister sur le fait que oui, c'est un apprentissage, qu'avant de pouvoir jouer comme dans les groupes qu'on voit à la télé et qui sont connus, ben, il y a tout un des phases d'apprentissage qui nécessitent un peu de travail et que c'était important de le mettre en avant. Voilà, c'est pas juste du loisir, je travaille quand je veux, non, je travaille régulièrement. Voilà, après un rappel aussi sur la laïcité et le respect du service public, puisque l'école de musique municipale est donc un service municipal, et c'est important de rappeler que l'on doit respect aux enseignants, au personnel municipal. Ça va se l'en dire, mais c'est toujours mieux de le préciser pour éviter les dérapages éventuels. Voilà, un petit rappel aussi sur les prêts d'instruments, comment ça se passe, les assurances, voilà, toutes ces modalités pratiques, pratico-pratiques, j'ai envie de dire, de la vie de l'école de musique et de ses inscrits. Donc, le conseil d'école a donné un avis favorable à ce règlement intérieur et si vous en êtes d'accord, je vous propose de le valider également. Merci Madame Robert et je remercie le conseil d'école qui s'est penché sur cette question du règlement intérieur qui est important de repréciser les choses et ce serait intéressant suite au vote de rappeler à l'ensemble des personnes qui sont à l'école de musique ce règlement intérieur et de leur transmettre assez rapidement pour faciliter finalement cette communication au niveau du règlement intérieur. Mais vous pouvez voir qu'il y a un très beau travail qui est réalisé par l'ensemble des équipes de l'école de musique, j'en salue, j'irai sa direction, mais aussi par le conseil d'école qui se réunit régulièrement pour nous faire des propositions ou adopter, j'irai, des propositions pour les passer au conseil municipal. Et que je tiens à les saluer pour leur travail qui permet ces échanges. Si vous permettez, Monsieur oui, Marc, je rebondis sur vos propos. Effectivement, c'est important de le dire, c'est un travail collégial sur proposition du corps enseignant, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été mené par, bien sûr, Frédéric Vivert, la directrice de l'école de musique, mais également les enseignants ont tous été sollicités, ont tous participé à ce projet, enfin à ce règlement intérieur, et les membres du conseil d'école, donc pour rappel, qui sont des représentants des enseignants, des représentants des élèves, adultes et enfants, des représentants des élus. Voilà, je pense que j'oublie personne, mais voilà, vous avez raison de repréciser que c'est un travail collégial et qui a permis de se réunir autour de la table sur ces sujets, s'ils peuvent sembler basiques, restent importants. Merci, Anne-Royer. Y a-t-il des questions, Monsieur Zajda?
Oui, merci. Alors, je pense que dans le conseil d'école, il n'y a pas de représentant des élèves enfants. Je pense que c'est que des élèves adultes. Les parents, ce sont les parents qui Oui, ou représentent. parents, dans ce cas-là. Oui, mais il n'y a pas d'enfants. Donc, oui, le règlement intérieur, c'est, comme on l'a bien précisé, c'est uniquement pour les élèves. Et il faut bien préciser, et c'est dommage maintenant de revenir à ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des règles dans une collectivité et qu'il faut les appliquer. Et de temps en temps, il faut, hélas, les écrire noir sur blanc pour que ça fonctionne bien. Donc, nous avons pu participer aussi à ce règlement intérieur. Donc, on a aussi fait des demandes qui ont été aussi prises en compte. Donc, nous voterons cette délibération. Juste pour revenir sur un petit détail, mais qui a quand même son importance, pas sur le règlement intérieur en lui-même, mais sur ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la tarification, on en a parlé en commission, c'est que ces choses-là sont proposées par le conseil d'école et doivent être validées à chaque fois par le conseil municipal. Et donc, une communication en amont auprès des parents et des élèves n'est pas toujours très opportun. Si l'on se demande à quoi sert le conseil municipal dans ces choses-là. Monsieur le maire a fait son mea culpa en commission, j'en ai bien pris acte. Alors, je sais que, M. Jasda, vous êtes un adepte de dire qu'il y a un déni de démocratie dans l'Aveyron, que là, j'étais un petit peu trop loin, je l'avoue, mais vous savez que être transparent, c'est une chose, mais ce que j'entends là, c'est qu'on entame une réconciliation sur l'école de musique. J'ai vu que dans la presse, on disait que ça allait faire écho, je dirais, à cette délibération sur l'école de musique. Et cette réconciliation, elle passe aussi par votre équipe. Je pense qu'il va voter cette délibération concernant la tarification. Et je ne peux que saluer cette réconciliation pour que notre école de musique soit à la pointe et permette à tous ses élèves de pouvoir bien profiter de cette fin d'année, mais surtout de rebondir en septembre et permettre à tous ces élèves de pouvoir pratiquer la musique ici à Roncq. Donc voilà. Merci. Monsieur Zajda, vous avez une question? Ces réconciliations, c'est si on travaille tous en bonne intelligence et on puisse dialoguer des deux côtés, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La porte est toujours ouverte, vous le savez, mais vous ne tapez rarement à la porte du maire, à part à faire des publications, des fois un peu mensongères, mais bon, ça c'est votre façon de faire, mais c'est tout, hein, je l'accepte, je dois faire avec, mais j'espère que ça changera et peut-être que cette délibération permettra de changer votre regard sur la municipalité et sur ce déni de démocratie que vous mettez un petit peu dans tous les réseaux. Voilà. Monsieur le maire? Oui. C'est bon, oui, vous m'entendez? Oui. Ah, Oui, je vous entends. on reparle de démocratie, vous parlez certainement de l'article qui a été repris par rapport au tribunal administratif. On travaille uniquement on avait des accords sur des dialogues qui n'ont pas été respectés. Et quand vous parlez de. Alors, vous aimez bien utiliser certains mots. Hein, vous parlez de. Nous avons fait 30 réunions. 30 réunions, vous n'avez pas fait 30 réunions, vous avez fait 30 rendez-vous individuels. C'est un peu les mêmes propos que vous nous affublez entre construction et immeuble. Hein, mais voilà, on joue sur les mots, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Alors, vous jouez sur les mots, ça, je suis d'accord. Et surtout, voilà, je pense que M. Pétillon est à même de répondre sur cette réunion, mais ça ne va pas dans cette délibération. Et je pense que, voilà, je pense que de faire des choses bien ciblées et bien actées permettent d'avancer au mieux pour éviter, je dirais, toute mauvaise information qu'on peut donner. Et souvent, des personnes proches de vous sont là pour prêcher la mauvaise parole. Et ça, c'est regrettable. Mais sur cette délibération, j'espère que vous voterez pour continuer à travailler ensemble pour cette école de musique. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, point suivant, Monsieur Pétillon, je vous laisse la parole pour les points 1,09 et 1,10. Merci, Monsieur le maire. Délibération numéro 9, rapport avec les travaux qui se sont passés sur
le centre technique municipal, appelé maintenant La Source, et la fin de ses travaux sur ce qu'on appelle le DGD, le devis général définitif avec les entreprises. On a eu une réclamation et une remarque qui était portée sur, par le, l'affectataire du lot numéro 4, l'entreprise de la Noix de Hawaii pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la plomberie et les sanitaires. C'était un marché, je le rappelle, de 577 000 euros. C'est un travaux, des travaux qui devaient se dérouler du 24 septembre au 23 juin. Il y a eu des prolongations dans les délais. Et les avenants correspondants ont été passés. Et il y a eu, comment dirais-je, des retards de chantier. Au regard de, du cahier des clauses administratives, on a donc appliqué le, ce retard de chantier qui s'élève à 10 000 euros. De son côté, l'entreprise a déposé un recours pour des travaux effectués et qui n'étaient pas prévus au départ, de l'ordre de 9 700 euros. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est un protocole transactionnel, puisque les sommes sont à peu près équilibrées, et de passer par ce qu'on appelle un protocole qui met en place. Ce protocole est obligatoire parce que nous devons fournir au trésorier payeur la raison pour laquelle il y a un retour par rapport à la facture définitive. C'est ce qui vous est proposé de voter ce soir. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Pétillon. Y a-t-il des questions ? Non, je regarde les écrans. Il n'y a pas de questions. Je ne vois pas. Donc, je porte aux voix. Qui est pour ? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Petit, j'ai bien unanimité, hein ? Oui ? Bon, merci. Monsieur Pétillon, vous passez à la dernière délibération, la 1-10. Oui, il y a... le patrimoine communal a été à un moment donné recensé et nous avions fait part de, je dirais, d'une liste des immeubles sur lesquels nous étions pas opposés à la vente. Vient maintenant le moment pour un de ces immeubles, c'est le 10 rue Jules Ouatteux, je pense que vous l'avez sur l'écran. C'est l'immeuble qui se trouve devant l'école Jaurès-Curie, face à la rue de la Montagne. Cet immeuble, aujourd'hui, est proposé à la vente, mais il nous faut préalablement voter la désaffectation de cet immeuble et prononcer son déclassement. C'est une opération qui est obligatoire de par le code municipal. Aujourd'hui, cet immeuble n'a plus aucun besoin pour nous. Alors, dans cette vente qui se fera, a priori, je dis bien a priori, par le biais d'une VNI, une vente notariée interactive, par le net, sera lancée à la suite de cette délibération, si elle est votée. Une proposition a été faite par l'une des collègues du municipal d'en faire peut-être un logement de secours qui reste dans le patrimoine communal. Ça n'est pas une option qui nous intéresse parce que nous devrons continuer à entretenir cet immeuble, les consommations, les travaux à faire, etc. Nous préférons nous en séparer. À la deuxième proposition, en disant est-ce qu'on ne peut pas faire une proposition à un bailleur social pour qu'il l'intègre dans son patrimoine, on n'y est pas opposé, donc c'est une piste qu'on va également explorer avant de lancer la VNI, la vente notariale par Internet. J'ai peu d'espoir, puisque il est évident que tout projet d'acquisition, en tout cas par un bailleur social, il fera une proposition en raison de l'état de l'immeuble. L'immeuble n'est pas en mauvais état, toutefois, au regard aujourd'hui des normes, il n'est pas, comment dirais-je, notamment sur le double vitrage, notamment sur la partie électrique, etc., il y a quand même pas mal de travaux à faire. Alors, en fonction également des positionnements des bailleurs, on verra quelle est la meilleure formule pour se séparer de cet immeuble. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Pétillon. Y a-t-il des questions concernant cet immeuble, rue Jules Ouatteux ? Madame Blotio, je vous laisse la parole. Il faut mettre votre micro.
Alors, ce n'est pas une question, mais je voulais quand même remercier M. Pétion d'avoir pris en considération les demandes que j'ai pu exposer en commission plénière. Maintenant, bon, c'est clair que notre groupe souhaiterait quand même que ce logement soit attribué pour du social afin de diminuer la dette que nous pouvons avoir. Si on peut passer par de la réhabilitation d'anciens bâtiments de ronc, ce serait pas mal. Maintenant, bon, vous pouvez faire les propositions et puis si elles ne sont pas retenues, tant pis, mais je serais ravie qu'on ait au moins essayé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'écoute hein, sur les propositions qui sont faites hein, en réunion ou même avant, et on essaye d'avancer ensemble pour ces propositions et permettre finalement le bon déroulement de cette démocratie municipale. Monsieur Pédion, vous vouliez rajouter quelque chose? Et ensuite, Monsieur Zaja? Non, monsieur le maire, il est évident que s'il était acheté par un bailleur social, s'il était acheté, ça représenterait bien évidemment une goutte d'eau dans comment dirais-je, la pénalité qui nous est donnée. Quoique, il faut aussi savoir s'il est fléché dans quelle catégorie, en PLAI, en PLS ou en plus. Donc, ça, on ne le saura pas immédiatement, mais je prends la remarque, effectivement, qui vient de m'être faite par Madame Blotio. Monsieur Zajda. Merci. Alors, pour... compléter ce que Madame Blotio disait, c'est même pas essayé. Pour nous, notre choix politique est de le faire, quitte à faire, alors là c'est une usine à gaz pour un seul logement, mais construire une société à économie mixte avec un bailleur pour pouvoir faire des logements sociaux en plus dans la commune. Voilà. Après, comme vous l'avez dit, on est propriétaire pour l'instant, c'est à nous de faire des travaux si besoin pour le faire. C'est un choix politique de vouloir faire une volonté à ce niveau-là. J'ai remarqué aussi dans la délibération qu'il y a une liste de biens éligibles à la vente était faite. Donc, j'aimerais récupérer cette liste de tous les logements qui est prévu à la vente pour cette mandature. C'était, M. Sajda, une liste tout à fait informelle qui était liste de travail. Il n'y a jamais eu aucune délibération fixant cette liste des immeubles dont on se sépare. D'accord. Merci, M. Pétillon. D'autres questions? Oui, juste pour compléter. Alors, on attend de voir hein, votre proposition par rapport au bailleur. Nous, en attendant, on ne va pas voter cette délibération. On attend de voir, puisque de toute façon, on reviendra. Il est noté dans la délibération que vous allez revenir au moment de la cession du bâtiment. Donc, on avisera de notre vote à ce moment-là si besoin. Pour l'instant, nous voterons contre cette délibération. Voter contre, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, je répète, quelle que soit la forme de la vente, il faudra de toute façon, dès à présent, se positionner sur le déclassement du bien. Donc, je vois pas le... comment dirais-je, le sens de votre positionnement. C'est le vôtre, c'est votre problème. Non. Je vais reprendre, on va reprendre le cas de tout à l'heure avec les espaces verts. La dernière fois, on avait dit on vote pour et on verra ce qui va se passer. Et ça a mal tourné. Donc là, on préfère voter contre directement. C'est bien. Ça n'a pas mal tourné. Vous avez mal tourné les choses, c'est tout. Donc, mais voilà, j'entends, j'irai votre compte. C'est un peu dommage parce que si on vote compte, ça veut dire qu'on ne peut même pas le proposer à un promoteur. Donc voilà, je ne comprends pas votre décision, mais ce n'est pas la première fois. Même en visio, je n'arrive pas à comprendre des fois, mais c'est tout. Voilà, il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Donc, pour ensemble, pour et ronc autrement, contre. C'est ça? Je vous remercie. Voilà, c'était la dernière délibération de ce conseil municipal en visio. Avant de clôturer les débats, je vous rappelle que les arrêtés de décision du maire pris par délégation du conseil municipal depuis sa dernière séance du 1er février 2021 sont exceptionnellement avec le Covid et en raison des mesures barrières disponibles par mail ou à demande auprès du secrétariat général. Donc, vous pouvez faire vos demandes au secrétariat général. Axel et Marjorie seront là pour vous accueillir comme d'habitude. Donc, voilà.
Voilà, je vous remercie pour ce conseil municipal en visio, chose extraordinaire. Je trouve que ça s'est très bien passé parce que tout le monde a respecté la règle. Je remercie les services, je remercie Amélie Leveugle qui a chapeauté cette réunion d'une main de maître hein, pour pouvoir projeter. Je remercie le secrétaire général avec Marjorie Axel et le service communication qui nous a permis de pouvoir mettre en place cette communication live, mais aussi tous les enregistrements et l'ensemble des services qui ont permis de réaliser ce conseil municipal en visio. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et continuez à bien respecter les gestes barrières. À très bientôt. Bonne soirée.